Les vendanges touchent à leur fin. S'il est trop tôt pour un bilan chiffré, le monde de la vitiviniculture valaisanne est plus que satisfait. Alors comment fête-t-on ces belles récoltes ? On travaille 16 hectares de vignes, j'ai une vingtaine d'ouvriers qui viennent principalement d'autres pays. Cette année, ils ont vraiment travaillé comme des fous, vu que c'était des magnifiques vendanges. Et c'est vrai qu'à la fin, je veux vraiment fêter ça. On partage un repas ici en commun, dans la cave. C'est une soirée libre et qui se passe vraiment très bien. C'est pour marquer la fin d'un travail. On fête donc chez soi ou à la foire du Valais, vu la précocité des récoltes cette année. En 1934, pourtant, la ville de Sion avait organisé une première grande fête des vendanges. Pourquoi l'événement n'a-t-il pas perduré ? Élément de réponse avec Isabelle Rabou, ethnologue et ancienne directrice du musée du vin du Valais. Elle dirige depuis 2006 le musée gruérien de Bulle. En Valais, jusqu'à date récente, la vigne était une activité de pluriactifs, donc de gens qui avaient des vignes, mais qui avaient le centre de leur activité plutôt en altitude, dans les vallées latérales, avec, il y a un siècle, de l'élevage, des cultures, des vaches en alpage, puis le tourisme qui a pris une place aussi importante dans l'activité économique. Donc ce n'est pas le seul temps fort, et en fait, on descend faire les vendanges et on remonte, on a des tas de choses à faire. On n'a pas vraiment le temps de se réunir pour fêter uniquement les vendanges. Les vendanges n'étaient donc qu'un moment parmi tant d'autres. Autre facteur, le 19e et le 20e siècle ont vu se construire ce qu'on appelle le folklore. Les fêtes des vendanges que l'on connaît, ce sont des phénomènes essentiellement urbains. Ça fait partie dans ces années 30 de cette mise en scène que l'on fait depuis deux siècles et que l'on continue de faire, où en ville on essaye de montrer des vraies traditions de la campagne que l'on met en scène pour faire venir des citadins dans une fête de grande ampleur, en partie aussi pour valoriser les produits de l'agriculture régionale. Le calendrier liturgique a aussi influencé des rendez-vous qui ne se retrouvent pas chez nos voisins réformés. On pense à la foire de la Sainte-Catherine à Sierre, la Saint-Michel à Martigny-Bourg, la Toussaint, pléthore de manifestations différentes qui laissent peu de place à une célébration commune pour la fin des vendanges. De toute façon, les traditions, ça évolue. Qui sait, peut-être que dans deux siècles, les récentes vendanges ouvertes auront gagné le statut de rituel.